Chapitre 15. Réminiscence. On va certainement partir à la recherche d'Hugo, avec Amicia et le groupe, Lucas et tout ça. Et beau château, j'aime bien. Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Hugo. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Hugo. Laissez-moi. Parle du chapitre 15. Je crois. Un mois plus tard. Oula. De rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Il y a eu pas mal d'événements entre-temps. Allez, non. Allez, ouvre-toi, je t'en prie. Je crois que Roderick travaille dans la cour. La serrure est encore gelée. Oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Il fait trop froid pour pisser dehors, je pense. On peut rien crafter, nous, de notre côté, là? Faut faire de meilleures cordes, meilleurs récipients, sacs de munitions... ouais... On va faire ça. C'est très bien, ça. Ça va me simplifier la vie. La porte là-bas, elle est bloquée. Ok, on va aller voir Mélie. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir courir. Ouais, oh, pas mal de trucs à aller chercher, non? Ah, il y avait une autre porte. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, une petite fleur. J'aurais dû te trouver. Eh oui, mais Go, il est plus là. Le petit frise du succès, on adore, hein. Ces objets. Je me souviens de chaque endroit, chaque moment. Ah, c'est les objets clés. Ah putain, on doit approcher de la fin. Si elle commence à sortir tous les objets clés qu'on avait trouvés, enfin les cadeaux et tout ça, je pense qu'on approche de la fin. Hein. Soit ça, soit c'est vraiment la fin, mais la fin d'Amicia. Parce que Hugo, il y a peut-être encore du boulot à faire en tant que porteur de la Macula. On verra. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. J'espère qu'on va faire un gros groupe et on va tous partir. L'alchimiste, la voleuse. J'ai jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Le bourrin. Ils auraient pu construire des lits plus décents quand même. Hein. Oh. Toujours rien de craftable? Toujours rien. Ah ben non, il nous manque l'atelier portable. Je crois que la suite est en bas. Là, c'est le labo. Ouais. Le labo de Lucas. Où c'est le dernier chapitre et j'en sais rien. Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler qu'il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va finir par en avoir partout. La tête de Lucas quand il avait cru arriver au grand œuvre. Et Hugo. Bravo Lucas, t'es un sorcier. Ouais, là ça sent le dernier épisode. Hein. On verra, mais... Vu comment elle parle des souvenirs et tout, ou elle est nostalgique parce que Lucas lui manque, Hugo lui manque. Hein. C'est possible aussi. On verra. Pas trop m'avancer.
Excusez-moi. Si vous savez où est Hugo, dites-le-moi par pitié. Ou veillez sur lui, si vous le pouvez. C'était visiblement pas là. Voilà. Où il faut aller? Manque une carte là, moi je suis perdu dans ce château à chaque fois. Bon là c'est le labo de Lucas. La soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non, ça sent pas assez le poivre. Et moi je veux rester ici. Ah ouais? Et si? Et si toi t'arrêtais de vivre comme un animal? Moi qui sont pas loin. Toi aussi tu te sens seul. Hein. Allez, courage. Il y a toujours le genre de pentacle au milieu. Attendez, c'était où qu'on l'avait vu? Je crois que c'est dans la pièce centrale. Hein. T'es au sol ici, on voit le feu, peut-être le vent et un autre élément. Pour moi, c'est peut-être ce truc-là qui est peut-être la solution contre les problèmes. Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en vie, c'est tout! Comme on a toujours fait! Hé, la nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Hop là, allons-y. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Ah ouais, il donne beaucoup trop de ressources là. Il y a encore des trucs en bas là, qui brillent. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. Ouais, je comprends Arthur de vouloir partir. C'est pas une solution stable de rester ici tout le temps. Salut Roderick. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Tu vas marcher, je te dis. Hé, hey, tu calmes. Si tu casses tout. Oh. Ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode Roderick. On sait pas comment, mais ça va. La méthode bourrin. Tout de suite. Hop là, allons-y. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Alors, tu as fait des prouesses? Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je vais me laver, je vous laisse. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme... Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Allons-y au brasier du rempart. Donc,
j'étais pas obligé de les allumer, ils pouvaient le faire à ma place. C'est un peu triste ça. On est vraiment fou là. Je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rats partout. Demande à Amicia. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Allez. Voilà, c'est bon pour moi. Oh non! Y a un problème? Ouh, c'est pas normal ça. Les rats? Oh mon dieu. Ok, ok, ok. Tu vas attendre deux secondes, ici il y a peut-être des ressources. Voilà. Ah, on a de quoi craft, peut-être. Le meilleur truc. C'est quoi ça? Il se regroupe. On a l'air bien mieux. Hop, le feu. Oh, et coucou Japi. Alors, il s'est bien terminé ton live sur Mongus. Rocket League. J'ai de la merde. Et coucou Elec. C'était cool. Et bonsoir à toi Lucette. Alors, merci pour ton follow Lucette. J'ai vu que t'avais fait un petit follow. Et bonjour à toi, The Drac. Comment vous allez tous? Vous avez passé un bon stream? Et non. Ouais, ça serait cool. Et non, je suis pas invincible. Mais on a pas mal de ressources. On va bien. Où ça ici? Attendez, hop. Oui, 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 il est où le brasier allumé aussi? Ah, oui. Bah alors? Ah! Oui, oui, oui. Bête. Oh putain. Ouais, 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 on a connu bien pire, on a connu bien pire. J'aimerais pas connaître bien pire, putain. Et du coup, vous avez bien botté des culs. Oh putain. Et du coup, comment tu vas, The Drac? Oh putain, oh non.
j'aurais pu utiliser Luminosa. C'est Over Angelix. On se prépare là. Mais attendez, il y en avait un autre que j'ai pas vu entre temps. Ah oui. Il déconne pas les petits rats là. Ouah non, c'est pas du sel. Hop là, allez, 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 allez. Attends-moi. Ah oui, effectivement. Mais toi, Arthur. Mais non. Ah oui, il y avait trop de rats. Je viens de voir les petits frises. Mais ouais, quand il y a trop de rats, c'est chaud. Hein. C'est très 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 chaud. Hein. Bon, ça va, ça il y a eu deux freezes, n'abuse pas, Elec. Deux freezes, c'est pas 36. N'usons pas. Mais c'est vrai qu'il n'aime pas trop les freezes de base. Et du coup, vous avez fait que du Rocket League à 3 avec The Drac, si je dis pas de bêtises. Mais vous avez fait des beaux trucs, hein. Bah, quand j'étais passé tout à l'heure, moi j'ai vu des beaux trucs, hein, quand même. Bah, j'ai pas vu quand vous avez joué avec The Drac. Oui, on a fait que du RL, je voulais live, mais Streamlabs. Comment ça, Streamlabs voulait pas? Si les rats sont entrés, Amicia, c'est plus des enfants, ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Ah, mais ça dure 2 ans de remettre à clé Steam, non? Twitch. Est-ce que ça va? Non, c'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister. Lucas, à... il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que c'est pas quoi, une alors invasion. Oh putain. Oh, le seigneur Nicolas. Ce que tu dois faire. Oh putain, non. Ils l'ont manipulé ? Hugo. Tiens. Oh, je suis assez choqué là. Ah merde. Mais non, il est foutu ton château. Ah là les rats Attends, le PC chauffe bien. Ah non, dès qu'il y a trop de rats, le PC là il aime plus trop. Mais c'est fou que ce jeu soit aussi gourmand. Problème. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Hugo, non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je t'ai cherché partout.
Qu'est-ce que tu attends, porteur ? Passe ce satané seuil. Ah, il a pas encore passé le seuil. Ouais, bah oui, tout ça, ça joue, hein. Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure. Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi ? Non ! Hugo est le seul porteur. Était. Allez, Arthur. Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Arthur, maintenant ! On l'a eu, ce sale chien. Non, il est pas mort. Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je dois parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Pour ceux qui, les gens qui ont joué à Life is Strange 2. Repensez à Shenedin, épisode 4. Ça veut seulement te parler. L'église. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde. D'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Ah oui. Tu comprendras, Japi, un jour, quand tu le feras. Mais on est d'accord, Elec. Tu l'as fait. Amicia, tu es passé. Non, Arthur. Oh putain, le bâtard. Il ne doit pas voir ce plat. Regardez qui est là. Alors on va l'éteindre. On a besoin d'eux. Hop. On profite, on récupère toutes les ressources, hein. Si Hugo peut nous protéger des rats, ce sera parfait, ça. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Au secours. Hop. On va éteindre cela aussi. Fais-le! C'est tout ce qu'il méritait, ce connard. Oh putain! Faut éteindre son épée de feu. Faut rester camouflé. Presque. Pas facile de vivre dans l'ombre du porteur, hein, Amicia ? Je peux. Hein ? Ah, j'arrive. Putain. Mais sont les rats?
Je peux pas faire attaquer. Ok. Mais comment je les ai fait sortir du trou? C'est surtout ça la question. Cours, cours, cours Lucas. Merde. Ok, ok, ok. Non mais je me souvenais pas que j'avais éteint la lampe. Je me souvenais pas que j'avais éteint la lampe. Allez. Rien. Il bouge vite. Comme des cafards. Alors c'est ici que vous cachez. Il y a trois lampes, donc c'est sûr que c'est. Il faut une troisième fois. Ouais, voilà. Ah ouais, t'as déjà oublié. Putain, mais il est en feu, là, le mec. Il nous en reste deux. Allez, meurs, Nicolas. Des Samson Paillard d'un moment. Comment ça? Quel genre de chanson paillarde? Arthur. Non, non, non. Arthur. Pauvre Arthur. Je vais les tuer. Je vais les écorcher vives. Mélie, je suis... Ferme-la. Ah. Je vais les crever. Je vais brûler leur putain de bannière. Mélie, t'as aucune chance. Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres. Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre. Il reste plus rien. Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est cinq contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil. Ouais, je crois. Une armée de rats. Qu'est-ce que tu en dis? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.